Rien n'est acquis. Le chemin que t'as fait, tu l'as tracé par toi-même, sans pression mais sans doute avec quelques problèmes. T'as créé ton histoire et aujourd'hui tu fais ton bilan. Que quelle que soit ta destination, ton parcours a été lent. Tu as connu des échecs afin de savourer ta victoire. Les problèmes, les difficultés étaient juste provisoires. Au lieu d'apprendre à vivre, la vie t'a donné une leçon. Que tu le veuilles ou pas, un jour tes parents te manqueront. Durant ton adolescence, t'as tout demandé à tes parents. Enfin, quand je dis parents, le côté va un peu plus vers maman. Des moindres petites choses, jusqu'à ce que tu vas aller manger, c'était juste en appelant maman que t'allais les trouver. Et je ne parle pas que de nourriture, mais surtout des objets personnels. Tu les cherches, tu les trouves pas, c'est à elle que tu fais appel. Oui, on est d'accord que tu demandes à papa de temps en temps. Tout ce que tu lui demandes, c'est « Elle est où, maman ?» Mais il a fallu qu'un jour tu quittes ton pays, direction Paris. Tu t'es battu pour y être, et dans la vie, rien n'est acquis. T'as quitté la maison, la famille, les amis et même tes habitudes. Ton seul objectif désormais, c'est de réussir tes études. Tu n'as plus personne sur qui tu peux compter. Même pas ta propre famille proche, arrête de rêver. Il a fallu que tu construises tout de tes propres mains. Si tu veux manger, tu dois travailler. C'est la règle numéro un. T'as trouvé un job, mais en même temps tu dois réviser. À chaque soir quand tu rentres, tu dois faire à manger. Je ne parle pas de tes galères quand tu dois tout gérer. Mais c'est cela, grandir, t'as pas le choix. Tu dois l'accepter. Aujourd'hui t'analyses ta vie. Et tu constates que rien n'a changé. Mais quand tu te tournes d'il y a 3 ans passés, t'as envie de pleurer. À ce moment-là, tu réalises qu'il était nécessaire de quitter maman. Même si c'était difficile, ce n'est pas tout le monde qui quitte son pays à 18 ans. Je ne dirais pas que t'es courageux, je dirais plutôt que t'avais pas le choix. Même si tu devais choisir entre avancer ou baisser les bras. Ce que t'as vécu a fait de toi le petit responsable que t'es devenu. Même toi, tu n'y crois pas. C'est pour ça que t'es ému. Continue d'avancer et n'oublie rien de ce que tu as appris. Parce que je te répète encore, dans la vie, rien n'est acquis. Rien n'est acquis.